Nous allons adorer celui la seule qui mérite. Mon corps est mal dit, tant que Dieu est mal à Dieu. Le seul qui mérite. Le Seigneur est celui-là qui te garde au quotidien. Le Seigneur est celui-là qui t'a sauvé. Il t'a lavé. Il t'a purifié. Il t'a sanctifié. Il t'a justifié. À cause de son amour. Personne ne peut faire. Si ce n'est que Jésus seul. Personne ne peut le faire. Si ce n'est Jésus seul. Jésus n'a tout marabaté. C'est pour cela. Nanara. Qu'il mérite d'être glorifié encore. Allah m'a abattu. Allah m'a tantou. C'est pour cela. Nanara. Il mérite. Oui. D'être magnifié. On a tantou. On a nouvelle ça. Alléluia. Yeah. Le nom de Jésus seul est élevé. Malik Jésus n'entendu. C'est à la mention de son nom. Attends, les gars. Que tout genou fléchit. Tous les peuples l'adorent. Toutes les langues l'adorent. Oui, toutes les tribus le célèbrent. Toutes les nations le glorifient. Parce qu'il est le Dieu. Il est le Dieu vivant. Il est le Dieu vivant. Alléluia. Yeah. C'est pour cela que nous allons chanter à la gloire du Seigneur. On a battu. Gloire. Gloire. Gloire, 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 g
élevé son nom. L'agneau de Dieu est souverain. Élève son nom. Élevez le nom de Jésus. Il est l'agneau de Dieu vivant. Il est le Dieu glorieux. Il est le Dieu qui a tout créé. Il est le commencement et la fin. Il est le Saint des Saints. Il est le Dieu qui est. Il est le Dieu qui est d'éternité en éternité. Il est le Dieu de gloire. Il est le Dieu puissant. Il est le Dieu qui mérite la gloire. Il mérite l'honneur. Il mérite l'adoration. Rien ne peut se comparer à lui. Il est le Dieu vivant. Il est le Dieu vivant. Il est le Dieu vivant. Il détient tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Seigneur, nous t'élevons. Seigneur, nous t'élevons. Nous donnons gloire à ton nom, Seigneur. Nous donnons gloire à ton nom, Jésus. Parce que tu vis éternellement. D'âge en âge, tu es Dieu. De siècle en siècle, tu es Dieu. Nous t'élevons, Jésus. Nous glorifions ton nom, Seigneur. Reçois toute la gloire, ma Père. Reçois toute la gloire. Tu es le seul véritable Dieu. À qui irions-nous, Seigneur? À qui irions-nous, Père? Tu as les paroles de la vie éternelle. Seigneur, tu es le Dieu souverain. Tu t'es fait aïeul de Dieu pour sauver l'homme. Tu t'es fait infiniment petit pour mourir à la croix de Golgotha. Le sang que tu as versé est précieux. Qui d'autre pouvait faire ce sacrifice en dehors de toi, Seigneur? Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, Jésus. C'est pour cela que nous donnons gloire à ton nom. C'est toi le Dieu qui a ouvert le livre. C'est toi le Dieu qui a brisé le sceau. C'est toi, Jésus. C'est toi, Jésus. C'est pour cela que nous glorifions ton nom. Nous glorifions ton nom. Nous glorifions ton nom, Seigneur. Le lion de la tribu de Juda. Le Dieu puissant. Reçois la gloire, Père. Reçois la gloire, Jésus. Alléluia. 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 Tu vas m'aider encore à glorifier ce grand Dieu. Quand nous allons prendre ensemble ce cantique, que le peuple réponde éternellement. Alléluia. Le peuple va répondre éternellement, ce qui signifie que notre Dieu mérite d'être glorifié éternellement. Alléluia. Tu mérites la gloire éternellement. Tu mérites la gloire éternellement. Tu mérites la gloire éternellement. Tu mérites la gloire. Digne de gloire, éternellement.
liberté. Éternellement, Jésus, tu es glorieux. Éternellement, oh Yahweh,
L'Éternel est glorieux. L'Éternel est grand. Oui, Seigneur, tu vis éternellement. Et ton règne n'a pas de fin. Tu es le Dieu incréé. Tu es le Dieu puissant. Celui qui a tout amené à l'existence par sa parole. C'est toi, Jésus. Tu es la parole incarnée. Tu es la parole révélée. Tu es la vérité. Tu es le chemin. Tu es la vérité. Tu es la vie. Seigneur, nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom. Car toi seul es digne. Toi seul es digne. Toi seul es digne, Jésus. Père, regarde ce peuple. Ce peuple qui a incliné son cœur devant toi. Ce peuple, Seigneur, qui est devant toi. Et nous célébrons ta grandeur. Nous célébrons ta profondeur, Seigneur. Nous magnifions ta fidélité ce matin. Père, nous proclamons que tu es Dieu. Tu es le Dieu vivant. Tu es le Dieu puissant. Le Dieu qui a sauvé son peuple. Nous donnons toute la gloire à ton nom, Seigneur. Père, reçois notre adoration. Reçois notre adoration. Ce matin, nous sommes encore là, Père, pour écouter ta parole. Seigneur, manifeste ta puissance. Manifeste ta puissance. Parle à nos cœurs, Seigneur. Parle à nos cœurs, Seigneur. Révèle-nous ta parole. Révèle-nous tes mystères. Révèle-nous encore, Seigneur, tes voix. Seigneur Jésus, circoncis le cœur de ton peuple encore ce matin. Circoncis le cœur de ton église encore ce matin. Seigneur, prépare-nous encore ce matin pour l'enlèvement de ton épouse. Seigneur Jésus, nous sommes à toi ce matin. Nous sommes à toi ce matin. Seigneur, communique-nous ta volonté. Père, nous te remercions parce que tu l'as déjà fait. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit magnifié, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Que le peuple réponde Amen. Amen. Sois toi, mon Seigneur. Sois toi, Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous pouvons nous asseoir dans la présence de Dieu. Alléluia. Qui est là pour le Seigneur Jésus ce matin? Si tu es là pour Jésus, lève ta main. Si tu es là pour Jésus, lève ta main. Dis avec moi, Alléluia. 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 Amen. Nom de Dieu, je vous salue dans le nom précieux de Jésus. Je rends grâce au Seigneur qui nous a amenés encore ce matin ensemble. Tu es béni et je suis béni. Nombreux sont ceux-là qui ont souhaité être aussi parmi nous. Nombreux sont ceux-là qui sont également assoiffés de Jésus. Ils cherchent la vérité. Mais ils ne l'ont pas encore trouvé. Et à toi et à moi, le Seigneur nous a accordé la grâce de connaître Jésus, de connaître sa parole, d'être enseigné sur la vérité de Jésus. Alléluia. Alléluia. Mais la bonne nouvelle ce matin, c'est que le Seigneur veut se révéler plus à chacun de nous. Je répète, la bonne nouvelle ce matin, c'est que le Seigneur Jésus
veut se révéler à toi. Le Seigneur Jésus veut davantage se révéler à son Église. Plus que l'Église ne le cherche. Alléluia. Nous allons arrêter le mouvement de va-et-vient. Nous concentrer sur ce que le Seigneur a dit ce matin. J'étais en train de dire que le Seigneur Jésus veut se révéler plus à l'Église que l'Église ne cherche le Seigneur. Tous autant que nous sommes. Jésus veut plus se révéler à chacun de nous. Jésus veut se montrer plus à chacun d'entre nous. Jésus est prêt à se montrer à toi et à moi. Jésus est prêt à se montrer à toi. Pas le Jésus que nous ne voyons pas. Jésus n'a pas la mort en toi. Mais je parle du Jésus physique. Le Jésus glorieux. Le Jésus vivant. Parce qu'il est sorti d'entre les morts. Il est ressuscité. Et il veut toujours se montrer aux hommes. Alléluia. Combien savent que le Seigneur Jésus se révèle aux hommes physiquement. C'est-à-dire physiquement. Donc il n'y a que trois personnes qui le savent. Il n'y a qu'une partie de l'Église. Qui sait que Jésus veut se révéler physiquement. À ses enfants. Peut-être que tu n'as pas ce désir. Peut-être que tu n'as pas le désir de voir le Seigneur. Peut-être que pour toi, tu te limites seulement à lire la parole du Seigneur. À comprendre sa parole. Que le Seigneur Jésus. Attend de chacun de ses enfants un désir profond de le connaître. Alléluia. Vous ne comprenez pas encore ce que je suis en train de dire. Est-ce que vous n'avez pas compris? C'est que le désir que le Seigneur a, c'est de te montrer à ramasser. Le désir que le Seigneur a, c'est de se montrer à toi. Pas seulement au travers de sa parole. Mais je te parle d'une expérience vivante. Je te parle d'une expérience vivante. Tel que tu me vois, tel que tu peux me saluer, tel que tu peux me parler, le Seigneur veut également se montrer. Parce qu'il dit dans sa parole qu'il n'est pas un Dieu de loi. Mais il est un Dieu de près. Alléluia. Avant de donner le thème du message, je vais d'abord préparer l'esprit de chacun de nous. Parce que dans la marche chrétienne, quand tu n'es pas assoiffé, quand tu n'as pas la soif de Jésus, quand tu n'as pas la soif des choses de l'Esprit de Dieu, tu vas demeurer tel que tu es. Tu viendras au culte. Il va à l'église. Tu peux prier. Il ne m'a servi. Tu peux gérer. Il ne m'a sondé. Mais tant que tu n'as pas cette soif, connaître Jésus. Le Jésus qu'on raconte dans la Bible. De le rencontrer. Avoir une expérience vivante. Tu ne discerneras pas
Qui est le véritable? On peut te l'enseigner. Ah, et ma information fidèlement. La preuve. Ah, preuve. Entre le feu, terre, et la photo du feu. Ah non, terre, la photo. Qu'est-ce qui brûle? Ne sais gamma. Terre. C'est le feu. Terre en gamma. Est-ce que la photo du feu brûle? Est-ce que terre photo gamma gamma? Alléluia. Entre la photo du lion. Ah, bataille, bataille la photo. Et le vrai lion. Ah non, physique, bataille à Tiadi. Lequel d'entre eux fait peur? De Macao. C'est le lion. Bataille à Tiara, la photo mala. Alléluia. Antuna Yesuma. Voilà Jésus. Antuna Yesuma. Le Seigneur Jésus. Yesu. Est prêt. À part après, il y aura tout le monde à se révéler à toi. À quoi j'ai pris ma chérie. Ce qui fait que nous sommes tellement négligents. Ce qui fait que nous banalisons les choses de Dieu. Ce qui fait que tu es encore tiède. C'est parce que tu ne l'as pas encore. Alléluia. Ce qui fait que tu es encore attaché aux choses de la terre. C'est parce que tu ne l'as pas encore rencontré. C'est ce qui fait que tu es encore charnel. C'est parce que tu ne l'as pas encore expérimenté. C'est ce qui fait que tu t'amuses avec ta vie chrétienne. C'est parce que tu n'as pas encore eu l'expérience vivante. Alléluia. Dis avec moi, je veux voir Jésus. Je veux voir Jésus. Alléluia. Nous sommes dans le livre de Jean. On a Jean pour qui n'a plus. Je vais vous donner tout à l'heure le thème. Jean 5. Jean, le chapitre 5. Jean, chapitre 5. Somme au verset 39. Verset 40. 39. En 40. Jean, Rabouki, chapitre 5. Jean 5, verset 39. Verset 39. À 40. Non, 40. En 40. Je lis la parole du Seigneur. Non, malheureusement, vous sondez les Écritures. Parce que vous pensez avoir en elle la vie éternelle. Deux points. Ce sont elles, c'est-à-dire les Écritures, qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Alléluia. Amen. Je reprends la lecture. Suivez attentivement avec moi. Le Seigneur dit, je suis là, hein, pharisiens. Les pharisiens connaissent la loi. Ah, pharisiens, malgré qu'ils aient ils sont instruits. Ah, ils savent que Dieu est bon. Ils bénissent le Seigneur. Et malgré qu'ils ils font les œuvres de Dieu. Et malgré qu'ils font ils font les Écritures. Et font des tables. Ils savent même. Ah, et Colombiati. Où devait naître le Messie? Je suis là, ma parole. Parce que quand les mages sont venus, Hérode a appelé les principaux sacrificateurs. Et il lui a posé la question où devait naître le Messie. Et ils l'ont dit à Bethléem. Ils connaissent les Écritures. Ils sont la parole de Dieu. Pensant en avoir en elle la vie éternelle. Et le Seigneur dit. Ces Écritures rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Alléluia. En d'autres termes, ça veut dire la parole de Dieu nous montre celui qui sauve. La parole de Dieu nous montre le sauveur. Jean-Baptiste a dit voici l'agneau de Dieu. Jean-Baptiste a montré
Les hommes doivent aller vers l'agneau et l'âme est cassée dans les mains pour avoir la vie. Connaître qui est l'agneau de Dieu ne suffit pas. Nous devons aller à lui. C'est pour cela que le Seigneur dit, vous sondez les Écritures. Vous pensez avoir en elles. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et il dit, vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. La parole de Dieu que nous voyons rend témoignage de Jésus. Et quand nous découvrons le témoignage de Jésus, chacun de nous doit aller à Jésus afin d'avoir la vie. Alléluia. Le thème du message, le thème du message est Jésus, révèle-toi à moi. Jésus, il est tout à moi simple. Jésus, révèle-toi. Jésus, il est tout à moi simple. Gloire à Jésus. Tant que tu n'as pas de. Je veux poser une question. Moi, ma question ne s'appelle pas au moment. Pendant que tu pries dans ta chambre, il n'y seul me reste pas le coup. Tu es à genoux. Il rompit sur lui. Alléluia. Tant que tu n'as pas de. Et tu pries. Il n'a seul plus. Oh, éternel. Oh, Jésus. Tu es puissant, Dieu grand. Tu es le roi des rois. Tu es vivant. Pendant que tu es en train de prier, il nous seul m'a pour moi. Le Seigneur se présente devant toi. Jésus a été comme un seul m'a. Et il te touche. À part, il touche. Il te dit, mon fils. M'a dit. Quelle sera ta réaction? Et la réaction qu'il m'a laissé là. Il veut me donner sa réaction. Vraie réaction, elle n'est pas. Et la réaction maintenant, fille. Tu es seul dans ta chambre. Il prie dans ton la seule fille. La nuit en plus. Ah, je suis là. Alléluia. Attends, tu n'allais sur moi. Et pendant que tu es à genoux, il ne remet pas sur moi. Le Seigneur te touche, me voici. C'est juste la grande qui m'a dit. Quelle sera ta réaction? Et la réaction qui m'a laissé là. Oui, c'est les sourcils. Amen. Attends, tu n'allais sur moi. Il y aura peur. Moi, mon cabinet, je n'aurai peur. Voilà, la sœur a dit qu'elle, elle aura peur. Pourquoi tu auras peur? Mais c'est ma gaussio manifesté, la saison que l'on m'a dit. J'ai pris de manière que Jésus n'a pas se réveillé à moi-même. Je m'attaquerai que ça soit à ce moment-là. Acclame le Seigneur pour ça. Oui, ma mère, je suis malade. Elle prie que le Seigneur se révèle à elle. Attention, pour Jésus, elle était comme ça. Même pour elle. Mais attendez. Elle ne s'attend pas à ce que ça soit amour vivant. Elle ne s'attend pas à ce que ça soit d'une façon papa. Beaucoup d'entre nous, parce que même d'ailleurs, nous pensons que Dieu est très. Alors qu'il est trop proche. À part Barma, on a voté cette semaine. Acclame le Seigneur. Alléluia. Quand tu n'allais souvent, le Seigneur veut se réveiller à toi. Malgré toi, ma gentille, ma sainteté. Alléluia. Le Seigneur dit, et vous ne voulez pas venir à moi. Malgré la voix, ma fortune t'a ravi. Pour avoir la vie. Alcoran, notre mère, elle va dans ma sainteté. La vie, dunia kaipada, la vie éternelle, dunia kaipada. Parce qu'en sondant les Écritures, parce que l'on m'a dit à Kitabu Garama, on se trouvait dans les Écritures la vie éternelle. Parce que elle connaît Kitabu Garama, à dunia kaipada na Kitabu. Et ceux qui ne savent pas, elle n'a rien marqué. C'est que la vie éternelle, n'allez que dunia kaipada, découle de la révélation de Jésus. En fait, Jésus est tellement sûr qu'il allait la main. Ce que je suis en train de te dire, c'est que tu peux venir au culte. Ah, il ne m'a pas d'église pour que ce soit. On peut t'enseigner la parole. Et non, c'est pour cela que vous allez remarquer qu'il y a
des gens qui font 6 ans, 10 ans, 15 ans, 10 ans, 15 ans dans la foi. Et une église pour mais il ne connaît pas. Et Jésus. On lui enseigne. Et vraiment, qui t'a Jésus est puissant. Et Jésus, et vraiment, Jésus est puissant. Il est glorieux. Il est ceci, il est cela. Mais il ne connaît pas Jésus. Mais il ne connaît Jésus. Parce que ce qu'il a, c'est le témoignage qu'on rend de Jésus. Ah, parce que Seigneur est en fait, c'est le nom de Alléluia. Ce qu'il a, c'est le témoignage qu'on rend de Jésus. Ah, c'est le Seigneur. Mais ce témoignage doit lui donner la soif. Cette soif doit le conduire à la personne du Seigneur. Ah, mais c'est le Seigneur. Gloire à Jésus. Peuple de Dieu. Le Seigneur Jésus. Jésus veut se montrer à chacun de nous. Ah, ouais, dit, ma soeur, d'une que façon physique. Je ne parle pas de spirituel. Je parle d'une façon physique. Parce qu'il est le même hier. Aujourd'hui. S'il n'avait pas le passé, ce qui n'est pas le passé aujourd'hui, pour le faire avec toi, Alléluia. Jean 17, verset 3. Suis attentivement avec moi. Jean 17, verset 3. Je lis la parole du Seigneur. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé. Jésus-Christ. Jésus-Christ. N'oubliez pas. Que dans Jean 5 que nous avons lu. Le Seigneur a dit pour sonder les Écritures. Pensant avoir en elle la vie éternelle. Ces Écritures rendent témoignage de moi. Mais vous ne voulez pas venir à moi. Mais au moins, on va venir dans ma vie. Afin d'avoir la vie. En d'autres termes, la vie éternelle. Et Jésus va définir ce que c'est que la vie éternelle. Jésus il dit c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Alléluia. Connaître le seul vrai Dieu. Connaître Jésus-Christ. C'est alors que nous avons la vie éternelle. Les enfants qui pleurent, s'il vous plaît, veillez. Je vous donne un exemple. Si je vous pose la question. Une question que je vous mets à cause. Qui connaît ici le président Mamadou, Mamadi, c'est ça, hein? Doumbouya. Le président Mamadi Doumbouya Colombo. Vous ne le connaissez pas, c'est votre président. Ah, il y a un diamant boulot. Vous le connaissez, non? Ah, quoi, Koloka? Vous le connaissez, non? Est-ce qu'il y a Colombo? Qui le connaît? D'accord, Mamadi Doumbouya Colombo. Vous le connaissez? Qu'est-ce que vous connaissez sur lui? Mais comment vous l'avez connu? Il y a un colombo qui dit, parce que tout le monde est colombo italien. Deux brigades. Oui? Il y a un colombo qui dit. Je ne connais pas l'attaque militaire. Il y a un colombo qui dit. Je ne connais pas l'attaque militaire. Donc vous avez eu une expérience vivante avec lui, vous avez échangé avec lui, vous avez vécu, vous avez travaillé ensemble, c'est ça? Il nous a formé en 2011. On était rentré à l'école, donc nous sommes sortis de ici à l'école. Il nous a envoyé passer nos frères. Ok, alléluia. Donc, elle, tu peux t'asseoir. Elle a eu l'expérience. Attends, voilà. Votre acteur de gouvernement l'a formé. Président. Donc, elle peut.
peut dire que le monsieur là, il est comme ça. Attends, on m'a plaidé. Aïe, pour ça, t'as mis. Voilà comment il va se faire. Au moins, il peut dire quelques paroles. En tout cas, on m'a envoyé des flabé. Mais en dehors de ça, mais quand t'as fait n'importe quoi, tous ici autant que vous êtes, vous avez des informations sur lui. Informations dans tout le monde là. Alléluia. Vous avez des informations. Ce que les journalistes vous disent. Ce que ces amis vous disent. Vous prenez cela comme. Alléluia. Vous avez des informations. Mais vous ne le connaissez pas d'une façon palpable. Alléluia. Pour le connaître, il faut aller dans son palais. Il faut demander audience. Il faut qu'il y ait audience. Aller dans son palais. Passer quelque temps là-bas, marcher avec lui, l'entendre vous parler, qu'il vous ouvre son cœur pour que vous sachiez qui est la personne. Et cela pourra confirmer les informations que vous avez à son sujet. Révoquer ou annuler les informations que vous avez. En d'autres termes, les témoignages que vous avez sur sa personne. Et c'est ce que le Seigneur dit. La vie éternelle. Qui te connaissent. Soit le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé Jésus-Christ. Il n'a pas dit à ma flamme la vie éternelle. C'est qu'il sait un témoignage de toi. À mon flamme, c'est le royal marché de ma frère. Ou bien c'est ce qu'il a dit. Ah, est-ce qu'il a dit? Il a dit à mon signe, c'est qu'il te connaissent. Alléluia. C'est pour cela que Jésus va dire à certaines personnes, éloignez-vous de moi. Ouvriez d'iniquité. Quand je ne vous ai jamais connu, il servait Jésus. Il faisait des miracles. Au nom de Jésus. Mais il ne le connaissait pas. Parce que le témoignage qu'ils ont de lui, parce que sinon il y a le témoignage qu'ils ont reçu de Jésus, n'atteste pas la personne de Jésus. Il servait certes Dieu, mais dans la désobéissance. Il servait certes Dieu, mais dans la rébellion. Sans connaître Jésus. C'est pour cela que Jésus l'a dit. Éloignez-vous de moi. Car je ne vous ai jamais mis. Ce que je suis en train de vous dire par là. C'est qu'il est possible d'être né dans l'église. De grandir dans l'église. De vieillir dans l'église. Et de ne pas connaître Jésus. Et moi, je suis colo. Alléluia. La preuve. Il y a des gens qui entendent parler du Bénin. Tu as des informations sur le Bénin. Informations de la Bénin, ma Bénin. Mais est-ce que tu connais le Bénin? Mais est-ce que Bénin est Koulou? Alléluia. Il y a des gens qui entendent parler même de Kendia. Kendia. Tu as des informations sur Kendia. Informations de la Kendia. Tu sais qu'il y a Kendia. Membre de la. C'est un exemple de toi, je ne connais pas là-bas. Il y a le beau temps, il y a la sécheresse, il y a les fruits, mais tu n'es jamais allé là-bas. Tu n'as jamais foulé ton pied. Tu n'as jamais fait une promenade. Tu n'as jamais connu la population de Kindia. Alléluia. Tant que tu peuple de Dieu. Malgré ce que le Seigneur est en train de nous parler, c'est pour nous préparer. Pour nous préparer.
à aspirer à la révélation profonde de notre Seigneur Jésus-Christ. Ah, Maliki, il était comme ma simple récréation. Alléluia! Tant qu'il n'y a souvent. Allons-y dans Luc 19. Le verset 12. Chapitre 19, verset 12. Nous prions. Nous la servons. Mais il y a certaines choses capitales que nous ne demandons jamais à Jésus. Nous prions. Oui, seulement. Nous pouvons tout demander au Seigneur. Vous faites mal à Jésus. Mais il y a des sujets importants. Mais frère, nana, que nous n'adressons jamais. Nous n'avons pas de mal. Pourtant, il nous a dit. Ne vous affectionnez pas aux choses de la terre. Affectionnez-vous aux choses. Nous prions pour demander les choses de la terre sans souvent demander les choses d'en haut. Écoutez la prière de Zachée. Luc 19, verset 1 à 2. Luc 19, verset 1 à 2. Chapitre 19, verset 1 à 2. Amen. Luc 19, verset 1 à 2. Je lis la parole du Seigneur Jésus. Luc 19, verset 1 à 2. Verset 1. Jésus étant entré dans Jéricho. Jésus étant sur Jéricho. Traversait la ville. Et voici. Un homme riche appelé Zachée. Chef des publicains. Cherchait à voir qui était Jésus. Amen. Et voici un homme riche appelé Zachée. Son désir, la soif qu'il avait, il cherchait à qui était Jésus. Il est qui? Auparavant, à Zachée a eu des informations sur Jésus. Zachée ne va pas faire des meilleurs. Il fera. Zachée savait que Jésus c'est celui-là qui faisait de grands miracles. Zachée n'a qu'un à Jésus le cabalco la bama. Zachée avait le témoignage de Jésus. Zachée, Jésus n'a signé rien là. Mais il ne s'est pas seulement limité. Ah, mais à moins qu'il ne dise. À entendre les choses. À moins qu'il vienne à la maison où ne veut plus la Jésus il voulait voir. Qui était Jésus? Demande la question à ton frère. Ah, question posée, il parle pas de mouvement. Est-ce que tu as cette soif? Est-ce que tu as la soif de savoir qui est Jésus? La raison pour laquelle tu ne jeûnes pas. La raison pour laquelle tu ne pries pas, c'est parce que tu n'as aucune soif. Parce que, en tout cas, quand tu pries pour Jésus, ça va te pousser à le chercher. Aux paroles que Jésus nous donne. Ah, Jésus est dans tout ce monde. On a l'enseignement du Seigneur. Ah, Jésus t'a dit qu'il t'a beaucoup. C'est bon. C'est pas bien. N'enfant. Mais il faut aspirer plus. Écoutez le verset 3. Ah, verset 3. Mais Zachée ne pouvait y parvenir. Car il était de petite taille. Attends, nous tournons.
Mais sa petite taille ne l'a pas limité. Ah, mais attends, tu te amas ma. La Bible dit, il courut en avant de la plana du bébé à dire et monta sur Sycomore pour le voir parce qu'il devait passer par là. Alléluia! Alléluia. C'est qu'il était de petite taille. C'est comme toi également tu dis. Ah, il t'allait t'approcher. Bon, moi vraiment. Attends, ah. Si Dieu peut me donner du là, ça me suffit. Je suis pas de peuple solide, non, ta femme. Parce que moi vraiment, ah, ça ne m'intéresse pas de connaître encore plus Jésus. Non, t'as moins intéressé, non, je suis de la. Peut-être c'est ta faiblesse. Ah, non, non, tu dis ta. Mais Zachée ne s'est pas limité à sa petite taille. Zachée la taille à ma limité, mais à toi. La vie dit, il courut en avant. À qui il n'y a. Il courut. À qui il n'y a la brera. Il y allait sur Sycomore. Parce que Jésus devait passer par là. Jésus dans nous manévrer. Lorsque Jésus fut arrivé à ce moment, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre. Écoutez, écoutez ce que le Seigneur dit. Hein? Ah, mais Jésus n'a pas placé. Car il faut que je te marque. Ah, pas ces journées. Ah, il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. C'est que aujourd'hui, le Seigneur a décidé de demeurer avec Aragne pour lui révéler qui il est. Parce que Zachée nourrissait du soir. Zachée, alléluia. Quand on lisait la suite de l'histoire, quand Jésus est sorti, la vie de Zachée a changé. Zachée n'était plus le même. Zachée pour la ala forma. Écoutez son langage. Au verset 8. Après qu'il ait rencontré le Seigneur, mais Zachée se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres à la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut à tous, en d'autres termes, la vie éternelle. N'oubliez pas, Jésus a dit, oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Tu es le seul vrai Dieu. Celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Après que Zachée a expérimenté Jésus, après que le Seigneur s'est révélé, le salut, la vie éternelle, est entré dans cette maison. Parce que celui-ci a reçu la marque d'Abraham. Les témoignages que Zachée avait retrouvés, n'ont pas réussi à faire entrer le salut. Jésus a choisi. Il a fallu que Zachée rencontre le vrai Dieu. Il a fallu que Zachée découvre qui est Jésus. Et c'est par cette expérience que la vie éternelle, même le salut, est entré dans la maison. C'est pour savoir. Tu n'as pas encore rencontré le vrai Dieu. Tant que tu n'as pas encore expérimenté le vrai Jésus-Christ, il ne faut pas encore entrer dans la
Parce que quand tu le rencontres, tout change dans ta vie. Quand tu le rencontres, tu vas être la même personne. Quand tu le rencontres, on n'a plus besoin de te dire abandonne le péché. Ta vie change. Parce que le salut par ma nièce est entré dans ta vie. Par ma nièce, le salut est entré dans ta vie. La raison pour laquelle, Nana m'a servi, tu es paresseux. Ah, il t'en. Tu es entré quel genre. Ah, il me fait ton moment. La raison pour laquelle, Nana il m'a servi. Tu joues avec Dieu. Ah, il peut m'en aller tout là. La raison pour laquelle, Nana il m'a. Tu t'amuses. Il peut m'en. Avec le nom de Jésus. C'est simplement parce que le salut n'est pas encore qui alléluia. Le salut n'est pas encore qui s'est nous quand tu rencontres le lion de la tribu de Judas, il partira mais il détourne. Quand tu rencontres le Dieu puissant, et il y a ton malin simplement alléluia. Tantôt allez suma. N'oubliez pas la prière de Zachée. Il n'a rien voulu laisser la seule ouma. Il cherchait à voir. C'est na où Jésus était. Il était sur le Seigneur. Comme à Colombe. Il n'a rien. Et comme le Seigneur est conforme à sa parole, à Jésus a voulu il dit cherchez et vous trouvez. À na la mort fera tomber. Demandez l'homme vous donnera. À mort pour les sommeils. Frappez et l'homme vous ouvrira. Tu ne cherches pas le Seigneur. C'est pour cela que tu ne le vois. Tu ne cherches pas le Seigneur. Si tu cherchais le Seigneur, il va se montrer à toi. Alléluia. La vie chrétienne a dans sa forme spirituelle, clairement, n'est pas une vie de contentement, mais c'est une vie de progression. Alléluia. Nous allons encore dans Jean 12. Nous sommes en Jean pour que vous puissiez. Écoutez la prière des Grecs. Ah, Grecs, ils vont assez loin. Et le Saint-Père. Jean 12. Le verset 20 à 21. Verset 20 à 21. Jean 12, le verset 20 à 21. Est-ce que tout le monde est là? Est-ce que lui n'a pas décidé? Jean, il a beaucoup de dire. Jean 12. Jean le verset 21 à 20. Jean 20 à 21. 12, verset 20 à 21. Nous lisons la parole du Seigneur. Au Malouïa. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Verset 20. Oui. Quelques Grecs, du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête, s'adressèrent à Philippe. Philippe était un disciple du Seigneur. Ah, Philippe va en Amalie. Les Grecs qui sont montés pour adorer le Seigneur pendant la fête. Ah, et tel maquin que l'on fait. Ils avaient entendu parler de Jésus. Mais ils voulaient avoir une expérience. Ils avaient une soif. Ils ont entendu parler de lui. Ils veulent voir. On continue. S'adresser à Philippe de Bethsaïda en Galilée. Et lui dire avec instance. Avec pression. Avec instance. Ils vont insister. Quelle était leur requête? Seigneur. C'est Philippe qui s'appelle Seigneur. Et la Philippe maman. Nous voudrions voir Jésus. Philippe, moi, ma vie est sous le feu.
continue. Verset 22. Philippe alla le dire à André. Philippe n'a pas pour André tombé. Oui, André et Philippe le dire à Jésus. Ah, André et Philippe n'ont pas ça pour la Jésus. Jésus leur répondit. Jésus fera répéter. L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Les Grecs avaient un désir. Les Grecs avaient une soif. Quoi qu'ils sont venus adorer pendant la fête, ils ont entendu parler de Jésus. Ils ont entendu le témoignage de Jésus. Mais le témoignage qu'ils ont entendu de lui a suscité dans leur cœur une soif. Qui est d'aller vers celui qui donne la vie. Et ils ont dit à Philippe, nous voudrions voir Jésus. Philippe alla le dire à André. André et Philippe le dit à Jésus. André et Philippe n'ont pas sur Jésus. Alléluia. Quand il a Jésus assoiffé, Jésus entendra le texte. Alléluia. Quand tu as la vraie soif de Jésus, il va se montrer à toi. C'est parce que nous ne sommes pas assoiffés de Jésus. Que le maître de la vie ne se montre pas à nous. Alléluia. La Bible dit que nous sommes ses enfants. Un père a dit la soif qui les anime est plus intense que ceux qui étaient là. Pourquoi? Parce que il est curieux. Il veut voir. Il veut connaître. Celui dont on le parle, Et je suis sûr. Quand tu avais entendu parler de Jésus dans ta conversion, cette soif également t'animait. Et en bout de chemin, tu as laissé les choses du monde. Et tu sais cette soif. C'est montrant à eux pendant 40 jours. Se montrant à eux pendant 40 jours. 40 jours, Jésus a dit comme à et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Amen. Après la résurrection du Seigneur Jésus, la Bible dit qu'il est apparu à ses disciples pendant 40 jours. Il n'est pas apparu en tant que mort. La Bible a précisé au verset 3. Après qu'il ait souffert, il est apparu vivant. Nous savons que Jésus a souffert à la croix. Il a été crucifié. Il a versé son sang pour que toi et moi nous soyons ensevelis. Il est mort. Mais le troisième jour, il est ressuscité dans la mort. La Bible dit qu'il vit pour le ciel des siècles. Alléluia. Étant vivant, à ton âme, qu'est-ce que le Seigneur va faire? Il ira vers ses disciples. La Bible dit pendant 40 jours. 40 jours. Dis avec moi 40 jours. 40 jours. 40 jours. 40 jours. Il se montra à ses disciples. Ah, 40 jours. Ses disciples de 40 jours pour moi. Et regardez ce qui est intéressant. C'est qu'il leur parlait des choses qui concernent le royaume de Dieu. Il parlait à ses disciples des choses qui concernent le royaume de Dieu. À la résurrection,
Jésus comme il gabe lui. Le Seigneur est apparu. Jésus a dit comme Seigneur. Il s'est montré à dit comme Seigneur. Physiquement à ses disciples. Il y a là à disciples. Il s'est assis avec eux. À toi, une de toi. Et il lui a révélé à moi Seigneur n'a rien tapé. Les choses qui concernent le royaume de Dieu. Révèle nous où t'as tant de mal qui t'as tapé. C'est pour cela la Bible dit. Affectionnons-nous des choses dans la Bible, la concernent le royaume de Dieu. Cherchons à connaître les choses qui sont dans le monde. Parce que le Seigneur veut se montrer à chacun. Le Seigneur veut nous les révéler. Le Seigneur veut nous les enseigner. Mais combien sommes-nous? Mais où t'as à chercher des choses en haut. Ah, pas d'appeler la peau, où t'as fait que vous t'avez. Combien sommes-nous? Où t'as là? À gêner, à rien, à sauver, à sauver. Pour demander des choses en haut. Alors, c'est le rêve de la parole. La plupart des moments de jeûne et de prière que nous avons. Peuple, nous sommes seulement. C'est pour demander des choses de la terre. Et donc, c'est la parole. La plupart des programmes de jeûne et de prière que nous prenons personnellement. Peuple, nous sommes seulement. Bon, c'est pour demander les choses de la terre. Ah, et le pour demander des futilités. Mais pas pour demander les choses essentielles. Alléluia. Un enfant de Dieu. Malgré le monde doit le craindre. Ah, dunia la matawaya. Alléluia. Peut-être que j'ai dit là, vous ne comprenez pas. Amen. Un enfant de Dieu. Quand le monde le voit agir. Quand le monde le voit opérer. Ah, le monde a peur de lui. Parce que celui qui habite en lui. En lui résident les mystères. Alléluia. Mystère caché. Ah. Vous savez, c'est triste et c'est malheureux. Beaucoup d'enfants de Dieu, ils craignent plus la puissance de Satan que la puissance de Dieu. C'est pour cela. Quand tu pries contre les sorciers, est-ce que tu vois que parce que tu penses que les sorciers ont une puissance qui beaucoup d'entre nous avons des informations sur le royaume de Satan. Nous ne connaissons pas quoi le royaume de Dieu. Le Seigneur veut révéler son royaume. Ma sainte Rebecca. Le Seigneur veut révéler son royaume à ses enfants. Jésus m'a couru ma sainte de mon temps. Le Seigneur veut venir dans ta maison et après ici. Jésus m'a porté et te prend mon fils. Viens avec moi. Et il va t'amener. Le Seigneur veut que ses enfants connaissent son royaume. Le Seigneur veut que ses enfants manifestent sa puissance. C'est pour cela la Bible dit que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Alléluia. Pendant qu'on prêche à l'église, il y a certains qui tombent. Vous savez pourquoi ils tombent? Il y a certains qui s'amusent. Vous savez pourquoi ils s'amusent? C'est parce qu'ils n'ont aucun désir dans leur cœur. Parce que tout ce qu'on dit, pour eux, ça ne veut rien dire. Mais c'est le jour où tu vas mourir. Mais il faut que sans rencontrer le vrai Jésus. Et nous, Jésus, que tu sauras qu'il y a lion et lion. Il y a pour ma mère, il y a à partir de la main. Alléluia. C'est le jour où tu vas mourir sans rencontrer le vrai Dieu. Et pour nous, Jésus, que tu sauras que sur la
sont infiniment inférieurs aux véritables lions de la tribune. Alléluia. C'est pour cela beaucoup d'entre nous, nous n'arrivons pas à comprendre le zèle que l'apôtre Paul avait. Parce qu'il a vu Jésus. Parce que l'apôtre Paul Jésus t'a tourné. Celui qui a vu Jésus. Celui qui a vu le lion. Et celui qui a entendu parler du lion. Les deux ne courent pas de la même façon. Alléluia. Celui qui a vu le lion et celui qui a entendu parler de lion, le jour on va leur dire, le lion arrive. Les deux ne couleront jamais de la même façon. J'ai menti. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela qu'il faut que tu vois le lion. Ah, il a mal battu tout. Il faut que tu aies une expérience vivante avec le lion. Ta vie va changer. Je dis que ta vie va changer. Et le monde va te considérer comme un fou. Ah, tu viens là, il te manque à l'eau, ta vie. Alléluia. Dans tout la vie, c'est moi. Peuple de Dieu. Toutes ces choses que le Seigneur est en train de nous donner, c'est pour semer en nous la soif. Pour chercher Jésus. Alléluia. Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens. Le chapitre 15. Un Corinthiens chapitre 15, le verset 1 à 8. Écoutez la parole du Seigneur. Verset 1 à 8. Amen. Amen. Dans le nom de Jésus, je lis la parole. Verset 1 au verset 8. Verset 1 déclare. Je vous rappelle, frère. Je vous rappelle, frère. L'évangile que je vous ai annoncé. L'évangile que je vous ai annoncé. Que vous avez reçu. Que vous avez reçu. Dans lequel vous avez persévéré. Dans lequel vous avez persévéré. Et par lequel vous êtes sauvé. Et par lequel vous êtes sauvé. Si vous le retenez dans les termes. Si vous le retenez dans les termes. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Vous voulez annoncer autrement. Autrement. Vous auriez cru en vain. Vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout. Je vous ai enseigné avant tout. Comme je l'avais aussi reçu. Comme je l'avais aussi reçu. Que Christ est mort pour nos péchés. Que Christ est mort pour nos péchés. Selon les Écritures. Selon les Écritures. Il a été enseveli. Il a été enseveli. Et il est ressuscité. Et qu'il est ressuscité le troisième jour. Selon les Écritures. Selon les Écritures. Et il est apparu à Céphas. Écoutez maintenant. Le Seigneur est mort. Il est ressuscité. Et après sa résurrection, Paul nous rapporte qu'il est apparu à Céphas. Qu'il est apparu à Céphas, puis aux douze. Ah, nous n'avons pas dit ici. Céphas, c'est Pierre. Il est apparu à Céphas, puis aux douze. Ah, amen, mais Céphas, c'est même à Pierre. Ouvrez attentivement vos oreilles pour écouter. Et tout le monde a parlé de l'amour. Amen. Alléluia. Alléluia. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères. Ah, la foi. Amener les 500 frères et ton main. Vous n'avez pas compris le français d'aujourd'hui. Jésus est apparu. Jésus est le même. Physiquement. Et pour Yara. Après la résurrection. À tombe du paradis de Yara. À plus de 500 frères. 500 frères. Amener les mains. À la foi. À la foi. C'est-à-dire, amener les plus mains. Jésus s'est dédoublé, il s'est multiplié. Jésus va être là. Pendant qu'il se révélait à la sœur Agnès,
Le même temps pendant qu'il se révélait la sœur Agnès physiquement, oui. Il a fait avec le frère Passou, avec l'ancien Jean. Au même moment, il a fait avec a pris de 500 frères à la fois. Je soupire de rien. Quand la Bible dit à plus, à quoi on est? C'est que ça dépasse 500. Jésus est toujours vivant. Jésus a voulu se montrer à toi et à moi. Jésus est prêt. Jésus a prêt pour venir dans ta maison. Il va s'asseoir avec toi. Il va t'enseigner les choses qui concernent son royaume. Il va se révéler à toi. Il va te parler de lui. Il va t'ouvrir les yeux. Il va te guérir. Il va te guérir. Il va te délivrer. Il va te libérer. Il est prêt à le faire. Après, mais quelle est ta soif? Quelle est ta soif? Quelle est ta soif? Ensuite, il a parlé à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques. Amen, Jacques. Puis à tous les apôtres. Amen, apôtres. Après eux tous, les plus forts. Il m'est aussi apparu. Amen, à moi. Comme à l'avorton. Ah. Car je suis le moindre des apôtres. Ah. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre. Parce que j'ai persécuté l'église de Dieu. Ah. Je veux faire remarquer ici que Jésus n'apparaît pas qu'à ses serviteurs. Jésus certains vont dire oui à la résurrection, il est seulement apparu aux 12 apôtres. C'est pas seulement aux apôtres qu'il est apparu. Mais la Bible dit qu'il est apparu à plus de 500 frères. On est amené plus de 500 frères. À la fois. Le Seigneur veut aussi apparaître à toutes les sœurs. Alléluia. Si le jour où tu vas rencontrer Jésus, tu ne viendras plus au culte en retard. Et mon père m'a dit que tu veux. Le Seigneur. Et mon père m'a dit que le jour où tu vas rencontrer Jésus, bien sûr, on n'aura même plus besoin de tenir les règles de sainteté. Parce que tu reviens la sainteté incarnée. Alléluia. Le jour où tu vas expérimenter, il y a des choses qu'on n'a plus besoin de te dire. On n'a plus besoin de te dire, mon frère. Quelle est ta soif? Quelle est ta soif? Quand nous allons dans le livre de 2 Corinthiens, le chapitre 12. Ah, chapitre 12. Le verset 1 jusqu'au verset 4. Je lis la parole du Seigneur. Je vais lire. 2 Corinthiens 12. 2 Corinthiens pour conclure, chapitre 12. Le verset 1er. Verset 1. Jusqu'au verset 4. Amen, verset 4. En verset 4. Écoutons la parole du Seigneur. Au mal de l'Amen. L'apôtre Paul dit. Il faut se glorifier, trois points de suspension. Cela n'est pas bon.
J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. À des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au troisième ciel. Si ce fut dans son corps, je le sais. Si ce fut hors de son corps, je le sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, en parenthèse, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je le sais, Dieu le sait. Fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Alléluia. Tantôt dans les chemins. L'apôtre Paul, apôtre Paul, a eu la grâce à tempête toi-même d'être enlevé à le courant. Non. Il a été amené jusqu'au troisième ciel. Jusqu'au troisième ciel. Dans le paradis. Ah, et là, on a un paradis. Et il dit, à part cela, qu'il a entendu des paroles ineffables. Qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Ça veut dire quoi? Les choses qu'il a entendues là-bas. Les choses qu'il a vues là-bas. La langue française. La langue anglaise. La langue sous-sous. Ah, je sais pas, oui. Ne peut pas l'exprimer. Qu'est-ce qu'il est en train de dire par là? Il faut vivre l'expérience. Il a mal. Il n'a fait que l'eau. Pour comprendre. Tant que tu ne vis pas l'expérience. Tant que tu n'as pas l'expérience. Le langage des hommes ne peut pas traduire ce qu'il a fait. Alléluia. Il y a des expériences que le Seigneur veut te faire vivre. Mais le français ne peut pas l'expliquer. La langue des hommes ne peut pas l'expliquer. C'est pour cela que Jésus dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais vous ne pouvez pas les supporter. Mais pourquoi? Parce que le français, c'est la langue humaine que je vais prendre pour vous les expliquer. Vous ne pouvez pas les comprendre. Il faut les vivre. Alléluia. Alléluia. Il faut les vivre. Si aujourd'hui même, la nuit, pendant que tu es en train de prier, et du seulement, oh Seigneur, oh Jésus, le Dieu puissant, et ton nom, c'est le Dieu. Et Dieu glorieux. Et pendant que tu pries, seulement. Et un feu descend dans ta chambre. Ah, tel de mon cœur. Alléluia. Un grand feu descend dans ta chambre. Ah, tel de mon cœur. La première réaction, c'est de fuir. Et la réaction, c'est de fuir. Et Dieu m'a laissé le bain. Alléluia. La première réaction, c'est de fuir. Et il m'a laissé le bain. Pendant que tu pries. Seigneur, le lion de la tribu de Juda. Si le lion, le lion descend, à Saint Bâtel, tu vas fuir. Et qui va aller? Tu vas pas le fuir. Alléluia. Tu vas fuir parce que tu n'as pas la foi. Et qui va aller par le bateau? Il n'y a rien pour le. Dans les Écritures, nous avons vu Jésus qui a pris le pain et le poisson et il a multiplié. Si tu es affamé et dans ta chambre, tu pries Seigneur, envoie la nourriture. Seigneur, depuis deux jours je n'ai pas mangé. Seigneur, aie pitié de ton serviteur. Et que tu ouvres les yeux. Tu vois un gros plat. Ah, il va plat ouvrir tout ce barbecue. De viande de bœuf. La farine. De viande d'abouti. Ah, ni de soupe, non, mais la farine. C'est sûr que tu vas dire ça, c'est les sorciers qui vont. Ah, c'est bien, mais la parole est bien. Alléluia. Tant que je vous dis là, c'est la vérité, c'est la réalité. Alléluia. Si tu pries la nuit, ah, c'est le seul, ma frère.
éternellement. Le Dieu infiniment grand. Le Dieu de toute manifestation. Pendant que tu pries, un corbeau vient dans ta maison. Alléluia. Le corbeau vient près de chez toi. Et commence à chanter. Tu vas ouvrir tes yeux. C'est sûr que tu vas envoyer le feu sur lui. Alléluia. Pourquoi la Bible dit que le prophète Élie a été nourri. Élie, c'était un corbeau qui lui apportait à manger. Qui était ce corbeau? Qui était ce corbeau qui connaissait la position du prophète Élie? Et lui apportait à manger. Et quand Élie est sorti de ce lieu, le corbeau n'est plus jamais venu. Ce corbeau était un ange de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ce corbeau était un ange de Dieu. Quand les gens sont venus demander l'impôt à Jésus, Jésus a dit à Pierre d'aller au marigot qui est plus proche, de lancer la bille, de prendre le premier poisson, d'ouvrir sa bouche. L'argent qu'il va trouver à l'intérieur. Il va payer l'impôt avec. Qui avait mis l'argent dans la bouche de ce poisson? Vous comprenez ça, Vina? Alléluia. Je suis sûr. Là-bas. Tu es en manque d'argent. Comprenez-moi là. Tu pries le Seigneur. Il a cette Seigneur. Bénis-moi. Bénis-moi financièrement. Tu vas acheter du poisson au marché. Et quand tu rentres chez toi à la maison, il va se remettre par le coup. Tu opères le poisson en deux. Il n'a pas beaucoup de selon. Et tu découvres des pieds de poissons, de franguinets dedans. Ah, il faut qu'il est tombé. Tu vas mettre ça là. C'est la sirène des sons qui a mis ça. Ah, elle est la sirène des sons en bas. Tu vas mettre ça là. Amen. C'est un esprit de soi. Ah, ça c'est un peu de. Qui va me poisonner? Ah, il n'a pas de problème. Qui va me détruire ma vie? Il n'a pas de problème. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur ne fait pas certaines choses avec nous. Malgré nous, c'est de la main. Parce que nous n'avons pas la foi de ces choses. C'est pour cela la Bible dit. Il te sera fait selon ta. À son moment, il a. Si tu crois que ton Dieu ne peut pas, si tu crois que ton Dieu ne peut pas se réveiller, il te sera fait selon ta foi. Si tu crois que Jésus n'est plus le Dieu, pour multiplier le pain, il te sera fait selon ta foi. Si tu crois que Jésus n'est plus vivant, pour sera fait selon ta foi. Alléluia. Beaucoup d'entre nous avons peur ou nous croyons plus à la puissance de l'ennemi qu'à la puissance de Dieu. Notre Dieu est puissant. Nous devons manger cette peau. Notre Dieu est vivant. Nous devons manger la peau de Yama. Alléluia. C'est pour cela quand tu connais Jésus, il y a des choses qui ne t'étonnent pas. Il y a des choses qui ne t'effraient pas. Il y a des choses qui ne te surprennent pas. Parce que tu cherches le conseil à Jésus. Alléluia. Quand Daniel a été jeté dans la fosse aux lions, pourquoi les lions n'ont pas mangé Daniel? C'est ma bataille, mon Daniel. Alléluia. Quand Daniel a été jeté, Daniel voilà le métier de vous. Il n'a pas été mangé. Il est sorti vivant. Mais quand ils ont jeté d'autres personnes, les lions les ont déchirés. La Bible dit, tel il est, à la
Quand tu connais le vrai Jésus, quand il est lion, toi-même tu deviens lion. Un lion ne mange pas un lion. Quand il avait la révélation véritable. Daniel avait la révélation Seigneur, la puissance vraie du Seigneur. C'est pour ça qu'il est descendu dans la fosse au lion. Les lions ont compris que ce monsieur, c'est un grand lion. Et il peut pas manger. Alléluia. Alléluia. L'église. Il faut que l'église se réveille. Il faut que l'église se réveille. Église, malgré le pouvoir de lui. Il voit le mot qu'elle a pris. Écoutez ce que le Seigneur dit. Moi, je l'ai dit qu'il a fait. Qu'il a donné à ses disciples. À son disciple. Le pouvoir. Saint Père. De marcher sur les serpents, sur les scorpions. À certains, là, c'est pour s'enfuir. Et c'est toute la puissance de Dieu. Et rien ne pourra le faire. Mais combien sont vraiment ceux-là qui marchent sur les serpents et les scorpions? Combien sont ceux-là vraiment qui écrasent? Ils ont combien? Et je l'ai là. Vous savez pourquoi? Parce que pour la plupart, ils n'ont pas ce pouvoir. Parce qu'ils n'ont pas rencontré ce pouvoir. Quand les apôtres ont rencontré le Seigneur Jésus, après la résurrection, quand la puissance du Saint-Esprit est descendue, le Seigneur l'a semblé tout pour les tamans. Ils n'étaient plus des autres. Ah, et nous, ils avaient complètement changé. Ils avaient complètement changé. Ils suffisaient juste pour eux de parler. Ah, et il y avait des prodiges et des miracles. Quand l'apôtre Paul a visité, quand il y a la grâce d'avoir les visions, les révélations, à tout rencontrer le vrai Jésus, faire les sortes, contempler Jésus, tout le bien qui attira. Il n'opérait pas à la dimension des hommes, mais il opérait à la dimension de Jésus. Attends, semaine dernière, à mon nom, le semaine dernière, à ma dira, à ta madame. Église de Dieu, à malgré tout, le monde attend chacun de nous. Tout le monde n'a pas même. Le monde a besoin de voir la puissance de Jésus. Le monde a besoin de connaître le vrai Jésus. Être chrétien, c'est être plongé dans un royaume spirituel. C'est être plongé dans un royaume mystérieux pour le monde. Nous les enfants de Dieu, nous sommes appelés à être un mystère pour le monde. Nous avons la capacité de faire exister ce qui n'existait pas. Nous avons le pouvoir de créer ce qui n'a jamais existé. Nous avons le pouvoir de faire notre parole. Que les paralytiques, que les malades, que les sourds. Mais vous suivez en tant que loi à Jésus. Mais ces choses ne sont pas entrées pleinement de ce monde. Parce que pour la plupart d'entre nous n'avons pas encore rencontré Jésus-Christ. Nous avons le témoignage de Jésus. Mais nous n'avons pas encore rencontré. Mais au moment qu'on y a un apôtre pour la tour qui a la. Alléluia. Nous l'avons pas encore rencontré. Oui, et si le Seigneur te donne ce message, mais la Jésus n'a rien de vrai. C'est encore à nous. La soif. Marafani a fait le chercher. Marafani a fait la soif. Alcool.
de le rencontrer. Il prendra notre tête. La soif. D'être instruit sur le mystère du royaume des cieux. Alléluia. L'ennemi pour la plupart ne maintient encore dans le péché. Parce qu'il ne veut pas que tu accèdes à cette dimension. Beaucoup sont en train encore de combattre avec la masturbation, avec le mensonge, avec le feu, avec la fornication. Tu es en train de t'amuser dans ces choses. Alors il y a une dimension de gloire. Alléluia. C'est pour cela aujourd'hui dans beaucoup d'assemblées, le monde est entré dans l'église. Parce que le diable ne veut pas que les enfants de Dieu s'affectionnent. Parce qu'il sait, parce qu'à courir le jour, à l'heure d'aller, nous allons commencer à nous affectionner aux choses d'en haut. Le jour où nous allons devenir spirituels, ah, oui, sur l'arbre, matin, à tout coup, son royaume est à terre. Ah, avant, pas la prière d'un seul saint ici en Guinée. Oui, quel est le seul tour de la Guinée? Les condamnations. La malédiction. Les mauvaises choses qui se passent dans ce pays sont nues et sans arrêter. Enfant de Dieu, Malikirati, nous avons la puissance. Benawira, le moment est arrivé pour que nous cherchions Jésus. Le moment est arrivé pour que nous allions au pied du Maître. Dans le jeûne et dans la prière. Dans le jeûne et dans la prière. Pour chercher Jésus. La parole de Dieu dit dans Jérémie 33, verset 3. Nous allons le lire. Jérémie 33, vous connaissez tous ce verset, pour la plupart. Jérémie 33, verset 3, écoutez la parole du Seigneur. Invoque-moi, c'est le Seigneur qui parle. Au verset 2, il est écrit, ainsi parle l'Éternel qui fait ces choses. L'Éternel qui les conçoit et les exécute. Lui, donc, le nom est l'Éternel. Il dit invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai. Je t'annoncerai de grandes choses. Virgule. Des choses cachées. Tu ne connais. Ça veut dire qu'il y a des grandes choses. Il y a des choses que le Seigneur a cachées. Que tu ne connais pas. Mais son désir. Il veut te les révéler. Son désir. Il veut te faire connaître. Mais comme tu ne l'invoques pas, comme tu ne le cherches pas, ces choses demeurent toujours cachées. Le moment est arrivé pour que tes sujets de prière ne soient plus Seigneur, donne-moi le mari. Seigneur, donne-moi le travail. Seigneur, donne-moi l'enfant. Seigneur, donne-moi de l'argent. Seigneur, donne-moi telle chose pour mes études. Le moment est arrivé. Que tu abandonnes cette prière. Le moment est arrivé. Pour que tu abandonnes ces choses qui n'ont pas d'importance pour ton esprit. Ah, importance pour le Alléluia. Le moment est arrivé pour que tu laisses le Seigneur révéler les grandes choses. Les choses qui sont cachées. Que tu ne connais pas. Alléluia. Peuple de Dieu. De Dieu, le Seigneur Jésus
est prêt à se révéler à nous. Il y a certains qui vont dire, moi je cherche le Seigneur. Je prie, je jure un seul mensonge. Mais tu l'as fait il y a de cela combien de temps? Mais et même quand tu jeûnes, tu pries, quelle est ta vie? Ah, et toi, souffre, et toi, c'est le fait que tu n'es pas qui en tout. Est-ce que ta vie aussi doit témoigner de Jésus? Est-ce que tu n'es pas une pharmacien, fait Jésus n'est pas une église de Christ? Alléluia! Tant que tu n'as Yeshua, qui veut que Jésus se montre à lui? Il te voit, mais Yeshua est comme ça, d'arabe et n'a pas. Qui croit que Jésus peut se montrer à lui? Dès la rara, à Jésus, ma mère, comme ma sainte, à la rue, 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 quand le Seigneur viendra dans ta chambre pendant que tu seras en train de dormir, malgré que le prêtre par le bruit, il ne dit pas quoi tu n'as rien, et il va te réveiller. Arrête-lui. Ma fille, mon fils, il m'a dit, lève-toi, je vais te dire, moi, ma mère, t'es bien. Faut pas avoir peur. Il t'a un carreau. Faut pas fuir. Il t'a dit. Alléluia. Tant qu'il n'a rien sur moi. Parce qu'il le fait. Parce qu'il est vivant pour encore le faire. S'il s'est révélé à plus de 500 frères, c'est qu'il est encore le même pour le faire. Alléluia. Nous ne servons pas un Dieu mort. Nous suivons un Dieu vivant. Il est vivant. Tu vas te tenir sur tes deux pieds, nous avons. Et quelle manière, il s'est dit, on va servir. Après que tu as entendu toutes ces paroles, et tu voyais merveilleux, quelle est la prière qui monte dans ton cœur? C'est le monde qui te fait pour lui, selon la croix. Après que tu as entendu ces paroles, et toi, il y a une paix ramée de selon, c'est le monde qui te fait pour lui. Quelle est la prière qui monte dans ton cœur? C'est le monde qui te fait pour lui. Quelle prière monte dans ton cœur? C'est le monde qui te fait pour lui, selon. Oui, quelle prière monte dans ton cœur? Cette prière monte dans ton cœur, c'est le monde. Oui. Oui. C'est que le Seigneur te révèle les grandes choses. Quelle est la prière qui monte dans ton cœur? Seigneur, révèle-toi à moi. Qui t'autre encore? Seigneur, je suis dit comme ce moi, la prière qui monte dans mon cœur, la peur que j'avais. Il m'éternait contre cette mère. Je vais le rencontrer encore. En face, parce que je l'ai vu déjà. Amen. Gloire à Jésus. Quand tu vas Jésus, le jour où tu verras Jésus. Et il est comme Jésus, tout le monde. La joie du monde. D'oubliera, il y a l'avenir. A débuté. À quelle manière pour nous? Le jour où tu verras le Seigneur. Il est comme Jésus, tout le monde. Tu auras un dégoût profond de ce monde. Il y a beaucoup de monde. Alléluia. Car qui l'a dit, je l'ai dit encore. Le Seigneur veut se montrer à chacun. Jésus va m'indiquer ma sœur. Nous ne sommes pas plus de 500 ici. S'il s'est révélé à plus de 500 frères à la fois, c'est qu'il peut se révéler à chacun. Mais Jésus ne se révèle pas à ceux qui ne veulent pas le connaître. Il se révèle à ceux qui le cherchent. À ceux qui ont soif de lui. À ceux qui veulent le connaître. Alléluia! Tu vas dire avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je te bénis pour ta parole. Je te bénis pour ta parole. Seigneur, tu as dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de ta parole. Que tu es révélé, que tu es
de te chercher, de te chercher. Seigneur, la soif des choses du monde qui est dans mon cœur ce matin, arrache-les. Sème dans mon cœur la soif pour te chercher. Tu m'as dit, Seigneur, sème dans mon cœur la soif pour te chercher. Prie au nom de Jésus. Seigneur, si ma voix m'achève de te chercher, oui, je veux encore te chercher le plus. Il a été dit que vous me chercherez, vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, Seigneur, je veux te trouver. Seigneur, j'achète à chercher ta trouver. Et la Bible dira que tu es le même lien aujourd'hui éternellement. Seigneur, parle-moi de te trouver. Jésus, je veux encore te chercher de plus. Jésus, je veux encore te chercher de plus. Seigneur, laisse-toi trouver. Laisse-toi trouver. Oui, Seigneur. Gratis, je te laisserai trouver par celui qui me cherchera. Seigneur, nous voulons te chercher. Seigneur, nous voulons te chercher. La soif de te chercher. La soif de te chercher. Seigneur, de te chercher. Ce moment est important. Rien que davantage. Jésus, je vais te chercher. Seigneur, je vais te connaître encore davantage. Seigneur, c'est maman la soif de te chercher. C'est maman la soif de te connaître. Oui, vous connaissez la vérité. Et la vérité vous approchera. Je veux encore franchir les vérités de ta parole. Pour cela, Seigneur, je veux encore que tu sais, maman, la chance de te chercher. C'est ainsi que tu te laisseras tomber. Seigneur, je veux encore te chercher de plus. Seigneur, donne-moi encore plus de zèle. De soi, tu te chercher. Seigneur, c'est maman, la chance de te chercher. Et tu as dit dans ta parole que tu te laisseras tomber. Oui, tu te laisseras tomber. Oui, Seigneur, tu te laisseras tomber. Oui, Seigneur, tu te laisseras trouver. Seigneur, recommande à moi la soif de te chercher. Je vais encore te chercher le plus. Seigneur, la soif de te chercher. Et c'est ainsi que tu te laisseras trouver. Jésus-Christ de Nazareth, donne-moi encore de te chercher le plus. Recommande à moi la soif. Sème en moi la soif de te chercher. Par la puissance de ton esprit. En place de la vie de ta soif. En place de l'Église, parce qu'après la chambre, les disciples ne sont plus laissés le même. Laisse-toi plus de chercher d'accomplir les choses à vos matières. C'est là la sortie du
t'empêchait de chercher le Seigneur. Et ça, manière, alléluia. C'est pour cela, l'ennemi a éteint ta vie de jeûne. C'est pour cela, l'ennemi a éteint ta vie de prière. Quand tu ne jeûnes plus, alléluia. Pour que tu ne jeûnes plus. Merci, mais nous t'avons sous ma soeur. Pour que tu ne pries plus. Merci, mais t'avons sous ma soeur. Église du Seigneur. Malédie rabandie. Réveillons-nous. Réveillons-nous. Parce que le monde veut voir Jésus. Le monde veut avoir la révélation de Jésus au travers de nous. Alléluia. Tu vas prier le Seigneur. Tout ce qui te combat et t'empêche de chercher le Seigneur. Tout ce qui te distrait. Et t'empêche de chercher le Seigneur. Tu vas demander que le Seigneur envoie son feu. Suivez toutes les œuvres. Prie le nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. La Bible est dans le chapitre 19. Voici ce que vous avez le pouvoir. De marcher sur les serpents. De marcher sur les serpents. De marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Ils se sont enfermés à la chambre haute. Et il était campé là même avec lui. Pendant 10 jours. Ah, 10 jours. Dans la prière. Il n'a seul fait. En train de prier. Il n'a seul fait. La dernière fois que tu as prié pendant 24 heures, c'était quand? Ah, il t'entend parce que il sait le droit pour être mon tour. La dernière fois que tu as prié pendant 24 heures. Quel te dit que ha encore là? C'était quand? Pourquoi tu m'entends mal? C'était quand? C'est le temps de voir quelqu'un qui est encore là. Voici mon nom à la vie.
il y a un prix à payer. Ah, frère, c'est maintenant ce parti. Il y a un prix à payer. Frère, ça vient en vie. Pendant que les occultistes, les agents des ténèbres veillent, c'est un temps après nous. Ils sont prêts à faire de l'offre pour avoir encore plus la puissance. Travailler encore plus dans le bas. Pendant que les sorciers, ils livrent toute leur nuit. Nous les chrétiens, nous dormons. Nous sommes distraits. Nous sommes livrés à toutes sortes de plaisirs, à toutes sortes de convoitises. Et nous chantons. Et au moment où il dit aussi ça. Personne ne pourra effacer les écrits pour l'éternité. Alléluia. Alléluia. C'est bien de chanter. Ah, tu peux pas ce qu'il s'en fait. Mais c'est mieux. Oui. Maintenant, enfin, de chercher le Seigneur. Et vraiment, il y a sauvé. Alléluia. Si tu cherches le Seigneur, ah, salut, mal, il y a sauvé. Ce chant que tu chantes, il aussi, dans sa main, sera permanent. Ah, alors, il y a ça, mais on va te dire. Mais si tu ne cherches pas le Seigneur, la salut, mal, il fait mal, il y a sauvé. Il se peut. Que ton nom ne soit pas écrit. Parce que le Seigneur ne fera pas entrer dans son royaume ceux qui ne connaissent pas. Alléluia. C'est pour cela. Nanara. Si tu quittes ici aujourd'hui, que la paix de Jésus te saisisse. Les témoignages. Ah, que le Seigneur veut. Ah, c'est bien que nous venons ici pour dire Seigneur. Après, merci parce que tu m'as donné le travail. Merci parce que tu m'as donné l'enfant. Merci parce que tu m'as donné un mari. Merci parce que tu es fidèle. C'est bon. Mais le Seigneur veut également. Mais, comme témoignage. Seigneur. Le Seigneur est venu dans ma maison hier soir. Et voilà les choses qu'il m'a données. Alléluia. Seigneur, je prie pour toi. Nous avons tout.
Mais si nous n'avons pas la soif, mais nous ne pouvons pas voir ces choses. Nous ne les cherchons pas. Nous ne pouvons pas voir ces choses. Tu vas prier. Il a tu vas étendre même le ciel. Tu vas demander au Seigneur de te verser sur son peuple. Il y a une grande soif. Ah, tu vas demander au Seigneur d'ouvrir le ciel. Ah, comment est-ce que c'est sur son église. L'église Paris. Afin que les choses étonnantes. Des choses glorieuses. Passe dans la vie de chacun. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Seigneur, mon ciel. Seigneur, mon ciel. Va t'accorder ces révélations. Alléluia. Le moment est arrivé. Cette nation souffre. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui n'attendent que Jésus. Il y a des familles qui ont besoin de Jésus. Il y a des entreprises qui ont besoin de Jésus. Il y a des villages, des villes qui ont besoin. Village, des villes, des nanas, des pommes, des choses. Quand Philippe était allé à Samarie, Philippe était à Samarie. Avant qu'il ne vienne, il y avait un magicien là-bas. Ben il y avait un magicien de nana. Qui l'a mystifié avec la magie. Attends, non, quand on a fait magie d'arrive. Avec la puissance des ténèbres qu'il utilisait. Ah, c'est un membre qui a. Il trompait. Samarie. Et quand Philippe est allé l'évangile, Philippe de Sega, évangile roi, accomplissant des prodiges, les guérisons. La Bible dit quand le peuple a vu ces choses, ils ont cru en Jésus. Ils se sont fait baptiser. Et ils ont accepté le Seigneur. Et parti Jésus la fera. Alléluia. C'est comme ici en Guinée. Il y a des villages. Ils sont dans les mains de Satan. Mais le Seigneur Jésus compte sur toi. Jésus compte sur moi. Jésus compte sur moi. Pour aller là-bas. Avec sa révélation. Avec sa puissance. Pour
pour donner gloire à son nom. Mais si tu ne cherches pas le Seigneur, si tu n'as pas la chose de Dieu, si tu n'as pas la chose de Dieu, et que tu cherches les choses de la terre, tu ne seras pas influent. Tu n'auras pas d'impact. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Est-ce que quelqu'un a décidé? Au sortir d'ici, de faire de la recherche du Seigneur sa priorité. Si tu as décidé cela, dans la vérité, non de lui, lève la main. Faut pas lever parce que les autres ont levé. Et là, il n'y a pas de mambo de manière de relâcher dedans. Non de qui? Ça va te coûter beaucoup de choses. Ça va te coûter le temps. Le jeu. La prière. L'obéissance. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Parce que le jour où tu viendras témoigner de ce que Jésus t'a montré, de ce que Jésus t'a révélé, et pas ma Seigneur, ce que Jésus a fait pour toi. Ah, c'est ce qu'on a regardé les gens, oui. Quand les hommes vont entendre cela, ils seront étonnés. Ah, et pas manel, ça va augmenter leur foi. Il faut que ça commence par toi. Alléluia. Le peuple de Dieu va lever sa main, je vais prier pour vous. Seigneur Dieu vivant, Dieu puissant, toi qui parles à ton peuple pour accomplir les desseins que tu as préparés, nous te bénissons pour ce message que tu as donné à nous. Seigneur Jésus, de la même façon que tu t'es révélé à ses disciples, révèle-toi à chacun de tes enfants ici. De la même façon que tu est apparu vivant. De la même façon, Seigneur, que tu t'es montré d'une façon palpable à tes apôtres, à tes disciples. Fais-le également pour ton peuple de Dieu. Fais-le également pour ton peuple ici présent au nom de Jésus. Amen. Seigneur, qu'à partir de ce jour, que la soif et la faim de te connaître envahissent nos cœurs au nom de Jésus. Amen. Qu'à partir de ce jour, que la soif et la faim de connaître les choses d'en haut remplissent nos cœurs au nom de Jésus. Amen. Qu'à partir de ce jour, Seigneur, tu nous donnes la force, tu nous donnes la persévérance de chercher les choses d'en haut. Amen. Qu'à partir de ce jour, Seigneur, que la grâce de jeûner, de prier sans cesse, nous soit donnée dans le nom de Jésus. Amen. Qu'à partir de ce jour, Seigneur, que les chaînes qui limitaient ton peuple dans le jeûne de la prière soient complètement brisées au nom de Jésus. Amen. Qu'à partir de ce jour, Seigneur, que ton ciel reste ouvert sur ton peuple. Amen. Qu'à partir de ce jour, Seigneur, quiconque invoquera ton nom, quiconque te cherchera, comme tu l'as dit, Seigneur, tu te révèles à lui. Amen. Tu lui montres les grandes choses. Amen. Tu lui révèles les choses cachées. Tu lui enseignes les mystères de ton royaume. Amen. Tu ouvres ses yeux et tu lui montres la profondeur de ta grandeur, de ta puissance, de ta sainteté, de ta seigneurie, dans le nom de Jésus. Éternel mon Dieu, mon roi, fais de chacun de tes enfants ici présents, fais de chacun de tes serviteurs une grande lumière pour ton peuple dans le nom de Jésus. Seigneur, que cette parole que nous avons entendue soit scellée au plus profond de nos cœurs, que cela suscite en nous, Seigneur, un fort désir de te chercher. Que cela suscite en nous, Seigneur, une faim et une soif profonde pour aller à ta quête dans le nom de Jésus. Nous refusons, Seigneur, de nous contenter de ce que tu nous as enseigné. Nous voulons encore te connaître, Seigneur. Nous voulons encore te connaître, Jésus. Père, accorde-nous cette grâce. Révèle-toi à chacun de ton enfant. Révèle-toi à tes servantes. Révèle-toi à tes serviteurs. Révèle-toi aux personnes âgées. Révèle-toi aux jeunes gens. Révèle-toi aux enfants. Révèle-toi aux bébés. Révèle-toi, Seigneur, à ton église. Père,
foi. Seigneur, de nouveaux témoignages pour ton église. Des témoignages de ton expérience. Des témoignages de ta révélation. Nous les voulons ici, Seigneur Jésus. Seigneur, capacite ton peuple de ta puissance. De ta puissance, de ta puissance, de ta puissance, dans le nom de Jésus. Amen. Seigneur, donne-nous l'insomnie. L'insomnie pour que nous veillons dans la prière. Dans la prière. Que nos nuits, Seigneur, soient les nuits de prière dans le nom de Jésus. Amen. Seigneur Jésus, cette grande soif que tu as donnée à tes serviteurs, Seigneur Jésus, comble-nous également cette soif. Parce que tu n'es pas un Dieu de loin. Tu es un Dieu de près. Tu es un Dieu de près. Augmente également notre foi. Pour que lorsque ces choses vont commencer à se manifester, que nous soyons en paix. Que nos cœurs soient en paix. Que nous ne soyons pas troublés. Dans le nom de Jésus. Amen. Père, nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire et l'honneur. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Le Seigneur, acclame Jésus.